mais avant c'est venu puisque... Ouais. Ils m'ont parlé mon esprit, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme. Adresser encore quelques mots d'encouragement à la famille Sioul, des mots d'espérance que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, à la fin du livre justement, où l'apôtre Jean écrit qu'il voit un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains, il y aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple et lui-même qui est Dieu sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles, écris car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit à celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Alors ces mots nous donnent à tous un horizon glorieux et nous font dire finalement que ce cimetière n'est pas la dernière demeure de notre bien-aimé Antoinette Sioul. Alors que ce moment d'inhumation est certainement le moment le plus difficile de ces funérailles, nous voudrions, chère famille, vous inviter à garder à l'esprit le plan de Dieu. Le plan de Dieu est plus fort que la mort. Amen. Dieu est plus fort que la mort. Et nous croyons qu'après la mort, il y a la résurrection d'entre les morts. Il y a ce retour à la vie que Jésus a promis, cette éternité sur cette nouvelle terre qu'il prépare pour ses enfants. Votre maman a fait le bon choix en s'attachant au Seigneur Jésus. Alors, selon la fidélité de Dieu et selon sa promesse, elle se relèvera au dernier jour pour accueillir son Seigneur. Que cette espérance-là soit votre consolation cet après-midi. Et je voudrais prier une dernière fois avec vous avant que le service se poursuive. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu es présent à nos côtés en toutes circonstances, y compris dans les moments de douleur, de peine et de deuil. Nous te confions l'ensemble de la famille Sioul qui est maintenant attristée. Elle a besoin, Seigneur, de ta consolation, de ta main forte. Alors puisses-tu agir en leur faveur, consoler les cœurs, guérir les cœurs brisés et donner par-dessus tout cette espérance du retour à la vie que tu as promis, que ce jour arrive bientôt et que nous soyons ensemble réunis. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Allez, tu peux le travailler. Allez. Allez, je suis là.
paradis. Je suis attention.